Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Notre identité d'humain et d'individu dépend de trois strates environnementales formées en pyramide. À la base, notre environnement physique, puis culturel, et pour finir, privé. La première strate de notre environnement qui enveloppe notre individu dès la naissance est l'environnement physique et biologique. De par notre essence, nous dépendons entièrement du vivant qui nous nourrit, nous abrite, nous façonne et nous a permis, au gré des découvertes, de le modifier à son tour. Qu'est-ce que notre environnement physique? L'univers est constitué en majeure partie d'hydrogène et d'hélium. Cependant, à ce jour, seulement 10% de la matière de l'univers a pu être constatée. Les 90% restants s'appellent la matière noire, dont la composition est encore recherchée par les scientifiques. Notre planète, la Terre, est composée de 92 éléments chimiques naturels. À l'intérieur de ce nombre, une demi-douzaine est essentielle à la vie. Dans l'ordre d'abondance, l'oxygène avec 47% de la croûte terrestre, puis le silicium, l'aluminium, le fer, le calcium, le sodium, le potassium, et le magnésium qui représente ainsi 98,5% de l'écorce terrestre. Sans oublier le carbone qui, à la 15e place, représente 0,048% de la croûte terrestre et l'azote qui n'est qu'à 0,03% mais qui constitue 78% de l'air que nous respirons. La chimie de la planète se retrouve également dans notre composition organique. Puisque sur 100 atomes de notre corps, une cinquantaine sont des atomes d'hydrogène, 25 d'oxygène et 10 de carbone. D'autres qui n'en sont pas moins essentiels pour le fonctionnement du corps, comme le fer, le cobalt, le manganèse et le zinc, se retrouvent en moindre proportion. L'acronyme CHNOPS, C-H-N-O-P-S, est utilisé pour se rappeler les éléments chimiques de notre corps. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. L'eau est le composé chimique le plus abondant, représentant 65 à 90% des cellules humaines vivantes. Étant de même composition que notre environnement physique, nous pouvons aisément comprendre que chaque impact sur lui, comme un boomerang, revient très rapidement sur l'espèce humaine. La strate biologique de notre espèce est donc le socle du développement humain. Ces éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, sont essentiels à l'épanouissement de la vie et très rapidement ont été perçus par les humains comme des puissances incontrôlables pour lesquelles respect, crainte et vénération dictaient le récit cosmologique. Instituées en divinité, la puissance et le mystère qu'elles opposaient aux humains allaient rapidement être mis à mal. Les avancées scientifiques nous ont permis de découvrir les éléments chimiques et d'apporter une cohérence et une rationalité à nos vies, enlevant le mysticisme qui pourtant permettait un respect indiscutable vis-à-vis de notre environnement, même si les civilisations passées détenaient déjà une emprise sur leur territoire. Il en était de même avec les animaux. Les grands mammifères étaient redoutés pour leur prédation tout en étant objets de convoitises et de combats pour la nourriture ou encore pour élever le rang de l'homme dans une hiérarchie des espèces. Le végétal, luxuriant, enveloppant, assombri de mystères, occasionnait de multiples dangers que l'humain a souhaité maîtriser en défrichant pour l'agriculture, puis pour l'industrie du bois. En réduisant les espèces sauvages, l'homme s'est contenté de sauvegarder et modifier les espèces domestiques, le reste n'étant que surplus inutile. Pourtant, cet empiètement sur le vivant a occasionné de multiples dangers pour la santé humaine. Progressivement, d'une nature méconnue et supérieure par la puissance de ses bienfaits et de ses dévastations,
nous sommes arrivés à un environnement physique maîtrisé, sectionné, rentabilisé par la technique et ainsi complètement décalé du temps naturel, rompant nos connaissances et nos émotions liées à ces cycles. La nature est définitivement sortie de nos consciences. Elle n'est plus qu'une parallèle de nos existences alors qu'elle en est le fondement. N'oublions pas que la vie sur Terre est un subtil équilibre des éléments. Bientôt, plus d'oiseaux, plus d'insectes. Par l'aseptisation et l'hygiénisation de nos vies, nous avons soumis l'environnement physique aux désirs des humains. Pourtant, ceux-ci sont irrationnels. Ils sont créés par l'esprit de groupe au sein des communautés humaines qui sont limitées sur leur connaissance et la justification du sens à donner à leurs existences. Cette volonté de soumettre l'environnement physique aux désirs de l'homme a été le premier pas d'une rupture relationnelle avec cette strate fondatrice de l'humanité. Aujourd'hui, le cycle de l'eau est capté à 50% par l'homme. L'état de sécheresse des différents lacs, la fonte des glaciers et la salinisation des terres sont très préoccupants. Au niveau du sol, l'ingénieur nommé Vert de Terre travaillait les sols de surface les aérant et déposant son engrais hyperactif. Pour exemple, obtenir 1 mètre de profondeur de terre arable, il faut 15 000 ans. L'urgence de rétablir la composition des sols pour l'alimentation n'est plus à démontrer, alors que l'agriculture intensive appauvrit jusqu'à la mort biologique de la terre. Pour terminer, l'air est aujourd'hui vicié, pollué, jouant sur la santé humaine. Si notre environnement physique est une ressource essentielle à notre survie biologique pour l'alimentation, l'eau et l'oxygène que nous respirons, il est bien plus au niveau psychologique pour l'homme. En 2015, un sondage a été réalisé lors de la Fête de la Nature, révélant que 96% des Français percevaient la nature comme un lieu de bien-être et de ressourcement. De récentes études indiquent que cette notion de bien-être désigne un état physique, mental et social du bien-être. Ainsi, la nature apparaît comme un remède à différents maux, comme une réduction du stress et de la dépression, ainsi qu'une meilleure estime de soi, un sentiment de bonheur et de créativité. Cette nature prend différentes formes de paysages, l'eau, les pierres, la faune, la flore, la mer, la montagne, ou encore la forêt, le désert. En 1984, une étude démontrait qu'un patient hospitalisé guérit plus rapidement lorsqu'il possède une fenêtre dans sa chambre. Un autre constat révèle qu'un contact étroit avec la nature permet au corps de préparer ses réponses immunitaires face à la multitude de microbes existants ou bien encore aux substances allergènes. Un enfant coupé de l'environnement naturel affecte sa microbiote, ce qui peut entraîner le développement de maladies à l'âge adulte. Passant de moins en moins de temps en extérieur, les chercheurs parlent d'extinction de l'expérience. Aussi, pour leur recherche, ils parlent de dose de nature en y associant durée, fréquence et intensité de la dose. L'hypothèse de la biophilie répond à la question du bienfait de la nature. Ainsi, l'intérêt pour la nature serait le produit de l'évolution biologique permettant une meilleure adaptation à l'environnement. Lorsque nous arrivons au monde, c'est de nouvelles vies qui apparaissent. À la naissance, le nourrisson entre en contact en premier avec son environnement physique. La première respiration qui met en action les poumons appelle le petit humain vers son monde biologique. Dénué de conscience, pensant faire encore partie d'un tout inextricable, le nourrisson ne cherche que la chaleur, la nourriture et le repos, c'est-à-dire la protection de son univers premier, le ventre de sa mère. C'est progressivement qu'il va ouvrir les yeux, qu'il guidera pour identifier son environnement proche avec un certain émerveillement d'observer le mouvement, les formes, les couleurs qui jusqu'alors n'existaient pas. Son esprit d'un aller-retour permanent entre l'extérieur et son intérieur crée la conscience. Le souffle du vent, la chaleur du soleil, la pluie, le froid, la douceur, la rugosité, le mou, le dur. Nos sens nous permettent d'appréhender le monde, sa structure et ses matières. Cette représentation est teintée d'émerveillement et de plaisir tout au long de notre enfance. Rappelez-vous la luminosité par laquelle nous apparaissait l'extérieur. Cet enchantement, qui disparaît progressivement lorsque la culture humaine s'approprie le petit humain, détourne son regard de la nature pour le diriger vers son futur d'individu social.
Le détachement que nous pouvons avoir de notre environnement physique est donc la première étape d'un déracinement de l'homme de son habitat immédiat, la planète Terre. Aujourd'hui où la technique a pris en charge notre alimentation, notre logement, notre vie sociale, que reste-t-il de notre attache à notre environnement physique et surtout, existe-t-il encore dans nos consciences? Faisons-nous le lien entre notre consommation et la destruction du vivant? Une dernière étude annonce 60% de disparition des oiseaux en 30 ans suite à l'usage déraisonné des pesticides que la Commission européenne vient de relancer pour 10 ans. Le monde rationalisé dans lequel nous évoluons ne dépend que d'une vision mercantiliste de la gratuité de la nature que nous avons érigée comme dogme au XVe siècle dès les grandes découvertes à grand renfort de colonialisme. Nous avons tous besoin d'eau, d'alimentation, d'une température acceptable pour survivre. À l'heure où la privatisation du vivant atteint des records, nous ne pouvons pas balayer d'un revers de la main une donnée essentielle. La planète Terre appartient à l'ensemble de l'humanité et de ses vivants, et par cette affirmation, personne ne peut être spolié des éléments nécessaires à sa survie. Reprendre contact avec le vivant, comprendre intimement notre relation avec lui et notre appartenance à celui-ci, paraît être dans nos sociétés modernes et numériques le plus gros défi à relever pour la cognition humaine. La semaine prochaine, nous aborderons la seconde strate de notre environnement qui forge notre identité. Elle nous identifie à un groupe et nous guide vers un futur commun, c'est la culture. Retrouvez l'intégralité des chroniques sous la canopée sur la chaîne YouTube de Monsieur Green, ainsi que l'ensemble des musiques de l'émission, des conférences et bien plus. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, 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 tu vois? Green, Green, absolument. Green, un Green plus Green.